J'espère que vous allez bien et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir la sixième case de mes calendriers de l'Avent. Et je tiens à te préciser qu'il y aura aussi une vidéo ce soir à 18h sur un unboxing que je fais avec une youtubeuse, c'est Fanny de la chaîne Nini Beauty. Tu la connais très bien. Elle a été plusieurs fois sur ma chaîne et du coup, voilà, je te précise qu'il y aura aussi une vidéo calendrier de l'Avent ce soir à 18h. Bref de blabla, on va ouvrir tout de suite les calendriers de l'Avent et j'ai un petit nouveau, voilà tout, qui se glisse dans mes calendriers de l'Avent. C'est le calendrier de chez Action qui coûtait à peu près 5,95 ou 6 euros. J'ai été faire des petites courses hier du coup pour toi, hein, voilà tout. Et il était seul dans le rayon en me disant « Prends-moi, prends-moi, je suis dernier !» Du coup, je me suis laissée tenter parce que c'est un calendrier avec des basses bombes, des trucs comme ça, enfin des trucs pour mettre dans le bain et vu que moi j'ai une baignoire et que j'adore ça. Donc je me le suis pris, hop. Et donc comme tu peux le remarquer, il n'y a que 12 cases. Donc comme mon amie Fanny, je vais ouvrir un jour sur deux les cases. Donc là, je vais en ouvrir 3 tout de suite avec toi. Le numéro 1, 2 et 3. Et ensuite, tous les deux jours, j'ouvrirai l'autre case. Donc c'est parti, je vais tout de suite ouvrir la case numéro 1. Alors je sais pas du tout comment que c'est. Elle est là, la case numéro 1? Oui. Oh, ça a l'air compliqué. Oh, ça a l'air compliqué. Oh, oh. Ah oui, d'accord, il faut vraiment bien défoncer le truc. Oh là là, alors qu'est-ce qu'on a? Oh, on a une petite basse bombe en tête de licorne. Oh, c'est trop trop chou. Voilà, la petite tête de licorne en basse bombe pour la case numéro 1. Alors attends, je regarde. Ah ouais, ça sent bon. Je sens que ce calendrier ne ressemblera plus à rien à la fin de l'ouverture de ces cases-là. Du coup, je vais aussi ouvrir la case numéro 2 qui est là. Ah. Oh là là, mais... Bref. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette case numéro 2? Oh, c'est compliqué. Et comment je l'enlève? Ok, alors là du coup c'est... Ah d'accord, c'est en forme de diamant comme ça, orange. Au début je me suis dit mais à quoi ça ressemble? Ça sent bon aussi mais moins bon que la première case. Et donc, bon bah, c'est parti. Et donc la case numéro 3 et après du coup j'ouvrirai la case numéro 4 dans un jour, voilà, j'attends le 8 en fait pour l'ouvrir, la case numéro 4. Voilà tout, alors case numéro 3. C'est pas simple à ouvrir, hein. Oh, mon dieu, je me défonce les doigts. Ouais, je défonce aussi les cases. Oh, oh, regarde comme c'est mignon. C'est une petite queue de sirène. C'est trop trop chou. Et ça sent également très très bon. Donc voilà pour mon nouveau calendrier de l'Avent. Il est déjà tout déchiqueté. Ah, attends, est-ce que... Ah mais je me suis coupée ou quoi? Non, ça va. Donc voilà, hein, ça commence déjà très très bien. Tout défoncé. Je vais continuer donc avec mes autres calendriers. Donc là je vais prendre celui de chez Lipton. On va ouvrir du coup ensemble la case numéro 6 qui est juste ici. Oh, avec un petit biscuit de Noël là, comme dans Shrek. Trop mignon. Et donc à l'intérieur on a toc, deux sachets comme d'habitude. Et donc est-ce qu'on a les deux mêmes ou pas? Oui, on a les deux mêmes. Ça arrivait juste une fois qu'on n'ait pas les deux mêmes. C'est pas grave. Donc là, on a cerise griotte pour les deux. Mmh, ça sent très très bon. Moi, j'adore la cerise griotte. Donc ça, c'est sûr que je vais les boire. Moi, chaque jour, je me bois au minimum 2 thés. Hein. Avec ma calendrier de l'Avent, là, c'est pompé-lope, quoi. Hein. Je vais continuer avec le calendrier de chez Party Light. Alors, quelle petite bougie on va avoir aujourd'hui? La case numéro 6 est juste là. Et c'est une petite bougie un peu caramel qu'on a... Ah, attends, j'ai du mal à la prendre, voilà. Ah oui, ça a une odeur un petit peu comme ça, un peu caramel fruité. Et du coup, la senteur, c'est quoi? Au pain d'épices. Alors là, j'y étais pas du tout. Et du coup, l'odeur est pas désagréable, j'aime bien. Donc, ça sentira le pain d'épices aujourd'hui chez moi.
Passons à la petite gourmandise du jour avec la case numéro 6. Alors, allez-vous la case numéro 6? C'est pas simple à trouver hein, sur ce calendrier, comme je l'ai déjà dit. Je radote. Du coup, la case numéro 6, elle est où? A few moments later. Ah, elle est juste là. Hop. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a une petite fusée, voilà tout. Et donc, on a un petit chocolat assez long. Fudge, ça me dit quelque chose, fudge. Alors, c'est un petit chocolat qui se présente comme ceci. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un peu la consistance du Milky Way, en un peu plus dur, mais c'est très très bon. Ok, continuons avec l'été, avec l'English Tea Shop organique. L'été bio. Donc alors, le numéro 6. Il est juste ici. Celui-là, ça va, c'est pas compliqué à trouver les cases. Oh, par contre, je viens de défoncer la case numéro 6, là. Et donc, à l'odeur, c'est pas trop trop ça, quoi. Et donc, c'est... Donc, et du coup, c'est Punchy Peppermint. Donc, c'est... C'est menthe poivrée, punchy, mais... Ouais, si. Maintenant que je connais l'odeur, ça va, mais... Punchy peppermint. Oui, en tout cas, je vais le boire parce que j'adore la menthe. Et terminons avec le calendrier de Ben HPTS, le calendrier Harry Potter. Donc, la case numéro 6. Oh! Bah, parfait. Elle était juste là. Ouh! Il y a quelque chose d'un peu mou là-dedans. Voyons voir ce que c'est. J'espère que je me trompe pas, hein, parce que entre le 6 et le 9, des fois c'est un peu compliqué. Mais je pense vraiment que c'est le 6, vu comment que c'est orienté. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh! Non, c'est pas vrai. Oh, mais c'est trop bien! Attends, regarde-moi ça. On a ça pour la case numéro 6. Donc on a une petite Edwige sur un petit carnet. Ouvrons ça. Oh, trop bien. Oui, c'est ça. Regarde-moi ça. Le petit, la petite Edwige comme ça. Tu sais, c'est quand tu es stressée, là, t'appuies dessus et hop, ça se remet en place. Oh, c'est trop chouette. J'aime trop le design du petit carnet comme ça. Marqué Harry Potter juste là derrière. Student may also bring an owl, a cat. Ah oui, c'est pour dire... Les étudiants peuvent choisir entre une chouette, un chat ou un crapaud. Qu'est-ce que vous auriez choisi, vous? Moi, je pense que j'aurais pris un chat. Voilà, parce que moi, j'adore mes chats et du coup, je pense que j'aurais pris un chat. Et donc, à l'intérieur, on a des petites pages lignées comme ça avec la petite Edwige juste ici. Des petites étoiles, c'est trop mignon. Et là, on retrouve plein de petites choses hyper chouettes aussi, hyper cool. Des chouettes, des lunes, comme sur le devant en fait du petit carnet. Du coup, trop chouette, franchement. J'ai kiffé ce petit numéro 6 d'aujourd'hui. Je ne suis point déçue. Et elles étaient pas sales mes lunettes? Oh, si, elles sont sales. Pff, bref, attends, j'ai commencé comme ça. C'est pas grave. Donc voilà pour l'ouverture de mes calendriers de l'Avent de la case numéro 6. On se retrouve bien sûr demain matin pour l'ouverture de mes calendriers de l'Avent de la case numéro 7 pour le 7 décembre. Voilà tout. Et bien entendu, je te rappelle que ce soir, il y aura une vidéo spéciale à 18h sur le calendrier de l'Avent que je fais avec la youtubeuse Nini Beauty. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok. Les liens sont en barre d'infos. À t'abonner toujours gratuitement, oui c'est gratuit, ça fait plaisir. À ma chaîne en cliquant sur s'abonner qui est juste ici ou sur ma petite tête qui va apparaître quelque part par là. Et quant à moi, je te fais comme d'habitude plein de gros bisous. Porte-toi bien, à la prochaine, salut! À demain!